Jean-Michel Maire, touche pas à mon poste, grosse augmentation de salaire, autocensure. Le chroniqueur balance. Jean-Michel Maire s'est confié sur son salaire et le nouveau format de touche pas à mon poste. Dans le replay du 27 février de touche pas à mon poste, les chroniqueurs taclent NRJ 12 et Gilbert D devient la cible de ses collègues. Et oui, c'est animé dans l'émission de Cyril Hanouna. Les fans vous le savent, c'est toujours comme ça. Jean-Michel Maire, un des chroniqueurs les plus emblématiques, s'est récemment confié à Laurent Argelier pour son interview sur Télé Loisirs, et il a lâché de belles informations. On a eu une très grosse augmentation de salaire, de 20%. Quand Thierry Moreau est parti, quand Enora est parti. Cyril s'est dit, j'espère qu'ils ne vont pas tous me faire le coup. Et il a même précisé le montant, à peu près 600 euros par émission. Et quand l'interviewé lui demande s'il a quelques regrets, comme l'ancienne version de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire répond cash, on n'est plus dans la maîtrise, mais personne ne nous impose rien. On s'autocensure. Autant avant, je disais beaucoup de conneries, maintenant, plusieurs fois je me demande, est-ce que je la fais celle-ci? Je teste parfois mes blagues sur Valérie Bonalim, qui me dit de ne pas la faire. Le chroniqueur sait donc qu'elle s'agit. Enfin, ça dépend des soirs. Dans le replay du 26 février de Touche pas à mon poste, le ton est monté entre les chroniqueurs et l'invité du jour et il a même quitté le plateau.